Mais allô, bonjour, bienvenue à notre belle émission, Bernard en studio. Alors, aujourd'hui, on va se lancer dans le printemps est arrivé, les champs, les jardins sont semés, on part dans cette direction. Alors, ça énumère un peu les temps de l'année où est-ce que je fais les peintures pour vous. Mais c'est ça, on va s'installer, on va commencer à faire un petit sketch du tableau qu'on va projeter aujourd'hui. Prenez le temps, allez vous chercher un petit café ou même vos peintures aussi si vous voulez suivre. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. Sinon, on continue. Et puis moi, ce que je vais faire, je m'en vais voir un champ possible. Moi, je suis inspiré par la campagne aujourd'hui. J'ai quelques sketchs sur ma table là-bas. Là, je suis en train de regarder ça. Puis je vois un ciel orangé, chaud d'été. Là. Fait qu'on va aller chercher les couleurs chaudes. Des vallées, les montants, c'est une vallée, mais pas quand même, on est assez proche. OK. Des jardins, des choses qui ont été semées, des champs, des choses... OK. Ce que je suis en train de regarder aussi, c'est ma composition. Qu'est-ce qui va être... Si je place une maison ou quelque chose, je n'irai pas la placer direct dans le milieu, mais peut-être sur le top de la butte ici, avec une petite haie ou des feuillages en avant. Puis peut-être une petite maison dans le genre ici, c'est à cet endroit-là. Pour les premiers jets que je fais, c'est grossier, c'est des grandes lignes, c'est mon ciel, mes arbres au loin, les arbres et les choses en avant, ça me donne plusieurs couches pour donner l'avant-plan, le deuxième plan, le troisième plan, puis l'infini. Sur ça, bon, étant donné, bon, je vais aller me chercher un sketch d'une petite maison, je connais pas trop, je vais faire de quoi que... qui a l'air assez bien ici, on va chercher comme ça, style canadien un peu. OK. Peut-être qu'à côté de ça, il y a un deuxième petit garage ou une petite chaîne, une petite sortie d'à côté. OK. Et puis en arrière, puis il y a d'autres choses. Peut-être qu'il y a une autre grange plus loin en arrière ici qui vient nous chercher un ombrage en arrière. C'est le fun d'aller faire un petit terrain qu'on veut aller voir qu'est-ce qui se passe en arrière là. Et puis en descendant, j'envoie ça demain, c'est la vallée qui commence, OK? Il y a un arbre de poussée ici, fait que je vais aller chercher parce que j'ai besoin de quoi pour bloquer mon œil, de ne pas sortir trop dans l'imaginaire. J'espère que vous voyez assez bien à la caméra, là, mes traits. Hein, une petite cheminée, une petite cabane. Ma perspective, mon œil s'en va vers là-bas, donc plus gros ici, plus petit de l'autre côté. Je vais aller chercher mes arbres qui coupent la maison. Je veux pas qu'elle arrive au même coin que la maison. Ça fait que ça, c'est parce que la ligne directive m'amène, puis ça continue. Ça fait qu'il y a une confusion dans le cerveau qui se crée. Ça fait que si je fais mon chose qui ressort comme ça, dépasse, et puis mon arrière-plan qui s'en vient un peu en arrière-là, ça fait que là, ça me fait deux plans. Maintenant, la maison, elle a détaché, puis elle est plus grande et plus grosse en avant ici. Ma petite grange en arrière là-bas. Puis je me dis, peut-être on va aller placer un arbre qui est plus proche ici, dans ce genre-là. Fait que ça ferme tout ce côté ici, dans le un tiers de mon tableau. Puis ça me crée déjà une vision, hein? On veut tournoyer là-dedans. Peut-être un petit sentier ou peut-être juste du foin, des arbres, des arbustes à ce côté ici, pour aller chercher le champ. Puis en plus, je vais donner une direction avec tout ça. Fait que, tu sais, je parle d'un point de fuite qui se retrouve à peu près ici. Fait que pourquoi pas que j'irais chercher, hein, on vient de semer, c'est les semences, peut-être des fraises, un champ, OK? Alors, tu vois, déjà, là, on donne des directions, il y a des choses à arrêter, il y a des choses à aller voir. Il n'y a rien de ça qui existe, c'est dans ma tête en ce moment, des petits sketchs que j'ai faits tantôt, et puis on se laisse aller avec ça. Alors, pour mon horizon, ben il va y avoir plusieurs petits volets parce qu'on s'en va loin dans la vallée, on avance. Fait qu'un premier champ, deuxième champ, ensuite de ça, mon Dieu, ça va loin, loin, loin là-bas. Il y a un autre petit champ qui s'est créé. OK? Fait que mes trois lignes ici créent des triangles qui dirigent mon... Hey, va voir ma maison, elle est belle, là, tu sais. Fait que c'est vraiment... Quand je regarde ça, mon œil est attiré là, il est attiré ici, il s'en va ici, mon arbre me bloque, va pas plus loin que ça, et puis revient de ce côté-là. Fait que l'ensemble du jeu de l'artiste ou de la peinture, c'est au début que ça se passe. On fait juste entrer dedans, et puis c'est ça, c'est créer des choses qui vont permettre d'entrer.
puis j'ai quasiment envie de vous donner un autre tableau aussi que j'aurais ça, là. Je vous ai trouvé une autre étoile, là, juste pour vous montrer. Si je plaçais ma maison direct au milieu, OK? Elle n'a pas de perspective, elle n'a rien, puis je fais mon horizon direct dans le milieu. J'ai un arbre, mais tu sais, je le place mal, disons, là, je vais le placer direct dans le milieu de ça. OK? J'essaie, c'est dur pour moi de faire de quoi qui n'est pas correct. OK? Puis je le sors même pas. Oh, je vais juste arrêter parce que là, ma toile est là. C'est les erreurs qu'on voit, que je vois plus souvent. OK? Mon chemin, ben, oh, il s'en va à ma maison. Tiens, je sais que je connais la perspective, mais je fais ça. Vous voyez comment? Comparaison, mauvaise composition, tout est dans le milieu, l'arbre est dans le milieu du milieu, les lignes ici, ils s'en vont là. Puis même des fois, je vois des gens qui vont faire ah, il y a un chemin, il s'en va tout droit. OK? Il n'y a pas de perspective. Fait que ça fonctionne pas. Ou je fais le même dessin ici, puis j'ai perspective et choses bien en placées, un tiers. Mes yeux se font diriger. Je n'ai pas le choix que entrer dans le tableau et puis commencer à aller voir la nature. Alors, le reste de l'exercice ici, pour moi, c'est d'aller chercher pour vous, vous faire vivre l'émotion de qu'est-ce qui se passe là. J'ai mon soleil qui va venir un peu de ce côté ici pour faire vivre nos arbres, etc., tout ça, puis l'horizon là-bas. Soleil, oui, mais c'est une journée un peu couvert. Fait que je vais aller mettre des jaunes, puis des nuages un peu jaunasses, là, mais c'est un petit peu trop jaune. Mon jaune ocre qui manque là-dedans. Ça, on continue. Je m'excuse énormément. Mon ocre était manquant. Tiens, je vais avoir un ciel dans les oranges. Ça, c'est la couleur qu'on va aller chercher aujourd'hui. OK. Du ocre, du vert un petit peu. Et puis, couleur de nappe. Un petit peu plus pâle à l'horizon. Puis on fait juste remplir le ciel. Alors je m'en vais avec ça. Je vais avoir un arbre qui va venir à peu près ici. Bon. Alors on continue. Alors c'est le ciel qui se développe. Du nappe. Ouais, mais bon, beau ciel. Tu sais, les ciels d'été n'ont pas besoin d'être toujours bleus. Hein? Beau ciel orange, brûlé, fin de journée. Il y a des nuages, mais ça nous porte cette ombre. Toujours voulu faire un ciel de cette couleur. C'est bien. Un petit peu plus médium. On vient en arrière, il y a quelques arbustes ici, quelques taches. OK. On a parlé de notre montagne qui descendait en arrière de la maison. Translucide, on voit à travers un peu, c'est correct.
viens de faire là, il y a un poil de mon gesso, de mon pinceau initial. Et voilà. Qui est maintenant parti. Puis on ne verra plus. Les teintes d'été. Ben oui. Ouais. Alors, juste pour adoucir tout ça, je veux juste que ça disparaisse. Je mets mon gros pinceau, mon gros pouf-pouf. Et puis, doux-doux-doux. Et je chatouille juste l'espace. De même, si on fait part, on mélange jusqu'à des choses qui paraissent moins. Puis, on adoucit tout le tableau. C'est pas l'idée, c'est pas de peinturer avec, mais juste de transposer des tonalités. Fait que, comme je disais, c'est pas une journée super brillante, mais à mon horizon là-bas, mes montagnes, ils ont tellement chaud qu'il y a une teinte de bleu orangé qui sort à travers certains endroits. OK? J'essaie juste de créer un mood, un feeling. Là, il va y avoir d'autres arbres qui vont prendre le dessus là-dessus. On a parlé de faire plusieurs couches à mon horizon. OK? Fait que c'est un peu ce que je suis en train de faire. Une belle journée chaude d'été. Je joue dans toutes les couleurs chaudes. Je vais aller chercher aussi, j'avais mis du sap green. Sap green, un peu de jaune. On va faire vivre des arbres au loin là-bas. Bien cette tache d'orange. Et voilà. Mon verre avec encore du orange. Une journée chaude, ça. Pas trop de bleu, puis pas trop de. Il y a le bleu en arrière là-bas, là. Mais pour les arbres, plus qu'ils vont s'en venir en avant ici. Payne's Gray, noir. Dans les ombrages, il y a des ombrages. À
Alors, continue dans les mêmes veines. Va foncé, sap green, noir, paint gray. Petit feuillage. Tu vois, même avec mon médium, je touche délicatement. Et quelques petites feuilles, des volantes, hein, esquives de l'arbre. Mais là, je suis en avant, il faut que je fasse attention, parce que faut que je le fasse en arrière un petit peu encore. Fait que je vais procéder avec ça. J'aimerais plus jaune, plus blanc. Devient foncé là. En créant ce vide, cet endroit ici, ça amène mon œil à aller voir. Aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. On pourrait même mettre une deuxième maison, le voisin, hein? Mais on est en campagne, alors les voisins sont un peu loin. À l'envers. Ici, ben, j'ai ces arbres-là, j'ai dit mon soleil, ma lumière, c'est comme là, ça a l'air le coucher de soleil, les nuages, j'en vois. C'est un coucher de soleil d'été, c'est ça que je fais des longs ombrages ici, là, le coucher de soleil, il était en train d'arriver. Le soleil est probablement orangé, fait que c'est pour ça que les nuages puis tout le ciel ici, c'est ce qui est en orange. Mais en arrière de cette butte d'arbre, hein, j'ai encore plus foncé. Là, il fait un peu plus froid. Ça, j'y mets un petit peu de bleu pour mes grandes oreilles, mes grands ombrages de soirée. Ma cabane ici, elle va faire la même chose. Fait que je peux l'installer déjà sur ça ici. Bleu, ça, vert foncé, paint gray, OK? Tout ce qui va être relatif à ma cabane ici, en avant, ça va tout être assez foncé. Dans les bleus, dans les noirs. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est qu'en même temps qu'on fait un montage, hein, déjà, là, moi, je m'en vais me promener dans le fond de la forêt, là-bas. Mon œil est direct. Je suis dans le champ sur mon tracteur, peut-être, là, puis je suis en train de faire ça, puis oh, ça va loin là-bas. OK? Fait que ma maisonnée est ici, plutôt dans les noirs, noir-gris, puis ça coupe assez raide parce que la lumière qui s'en vient comme ça, ça s'en vient ici. C'est mon toit, direct là. Deuxième petit toit, un petit peu plus bas. Puis le reste de cette butte, avec l'arbre qui est en arrière ici, peut-être que ça va aller jusqu'à là. Hein? On se demande des fois, c'est quoi? Puis là, mon arbre ici en avant, bon, lui aussi, dans le noir. Ah oui. Bon. On va aller chercher des bleus, des verts.
peux ressortir mon petit fan brush. Excusez, je suis en train de perdre la voix un peu. La grippe d'été. Les champs, les foins. Avec quelques traits de crayon, hein, je suis en train de créer un environnement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Imaginez, là, quand vous êtes dans la campagne, puis vous regardez alentour, qu'est-ce qui manque? Moi, je sais, là, il manque des choses. Je vais essayer d'aller vous en mettre. Il y a peut-être des petits jardins de fleurs. Oh! Hein? Regardez ça, la lumière qui frappe, c'est ce petit jardin de fleurs-là. Côté de la maison, définitif. Là aussi. Bon, on vient. Fait que je vous amène en voyage avec moi, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Mon imagination me propose des choses, puis je vous amène voyager. On regarde ça. Ah, mon Dieu. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait ça, tu sais. On voyage, on vit des choses. Là, tout ça ici, là, j'ai tout ça qui s'en vient. Ça va tout dans, pas mal dans le même vert. Sap green avec jaune. Même dans mes hocs parce que... Le gazon n'est pas toujours vert. Il est toujours plus vert chez le voisin, je comprends pas. Alors, je m'en viens avec ça. Puis là, je vais aller chercher, peut-être que je vais amener mon champ un petit peu plus haut là, avec mes lignes. Je suis déjà prêt. Orangé, ça, ocre, un petit peu de crème. Puis, tiens, mon foin qui pousse, puis mes fleurs qui poussent. Tiens. Alors, sur le bord de mon champ, Il y a ça. Ah, oh, peut-être. Les petits arbustes. On peut toujours prop. Je pense que c'est ça que j'avais fait avec tout ça ici, là. On va aller plus proche, on va aller plus bien. Je vais aller me chercher de quoi qui bourdonne dans le fond du buisson qu'il y a là, quelque chose. OK. Alors, pour aller à ma grange, ça, ben, ça prend de la terre, puis du gravier ou whatever en arrière là-bas, là. OK? Ça, c'est le devant de la maison. On retourne avec mes affaires de foncé. Le champ qui a été semé, puis il y a toutes sortes de feuillages alentour. Thank you.
Ça n'a pas été nettoyé, ça n'a pas été dégagé, c'est juste du feuillage, toutes sortes de choses. Je vais reprendre un petit pinceau, puis on va aller chercher des détails un peu plus dedans. Hein? Puis le fan brush, ben comme je disais, je dis des fois, il y a des artistes qui... Oh non, il ne faut pas toujours fan brush. Mais quand on l'utilise smart, comme on dit, si je l'utilise tout le temps comme ça, mais ça devient répétitif, puis on voit toujours la demi-lune. Alors, vous voyez que moi, quand je l'utilise, je bourdonne avec. Je tourne, je droupille. OK? Un petit peu de médium pour qu'il laisse tomber un peu plus de couleur. Et puis, chaque feuille, à ce moment-là, je peux les dropper, les laisser aller. Puis, je tourne mon pinceau, puis ça pue de l'air d'un petit fan brush qui fait un éventail de buissons dans nos affaires. OK? Fait que de ce côté-là de mon arbre, un peu de bleu, un peu de noir, un peu de vert foncé, parce que ma lumière est en arrière. Puis ça, c'est un arbre, il est loin, 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 là. J'ai pas besoin de faire des petits détails de feuilles, tout ça, là. OK? Et sortons de la toile, s'il vous plaît. L'arbre n'a pas arrêté là parce qu'il y avait un cadre. Il continue. Think outside the box, comme on dit. OK? Ça fait que là, je retourne dans des verres un peu plus jaunâtres. Même pâle. La lumière en arrière qui frappe dessus. Mais jaunâtre, orangé même parce que notre ciel est orange, le coucher de soleil qui se passe. OK? Je peux même aller chercher un petit peu d'orange pâle dans mon arbre. Il manque défoncé là, pour le faire sortir. Hein? Toujours un petit peu de médium, un petit peu de vert, un petit peu de jaune. Et voilà. Je m'en fais pas pour le coin de la maison, je vais revenir dans quelques minutes pour placer ma maison. Il va en arrière de la grange, il va dans le bas de la maison. OK? Et même jusqu'à un bon petit pinceau là. Y a-t-il quoi de beau? Ben oui, y a-t-il quoi de beau? Tiens, des petits arbustes puis des petites branches. Je peux même aller avec la spatule. Un peu gros, on commence ça. Plus de doigts. Tiens, le feuillage en avant de ces petites branches-là. Et voilà, regardons ça. Le coin est comme fait.
En avant ici, on va aller chercher un deuxième gazon ou qu'on va chercher notre jardin, peut-être le jardin, hein? Alors, du ocre, du vert, toutes sortes de couleurs pour ma terre, etc. OK. On me laisse des petits espaces pour venir. Oh, pas trop de vert là-dedans. Là. Le ocre. Orangé. Puis là-dedans, ben. Il y a des gris parce que la nature, l'ombrage, les roues de tracteur. Là, bon, on va dans moi, ça c'est les, entre les rangées, tu sais. Fermier a laissé un baril, quelque chose là, pour arroser son jardin. Hein? Il y a peut-être des piquettes. Des choses comme ça. On va chercher. Hey, je m'en vais dans le détail déjà. Je suis hâte, hâte d'aller dans le détail. Alors, ici maintenant, oh, ben, regarde, on va aller chercher du jaune, un peu de vert pâle. Ah, ici, c'est des salades. Hein? Tiens, on va mettre salade. Tiens. J'espère que je vous fais voyager bien. Puis vous voyez comment que c'est pas sorcier. Hein? En ayant les perspectives puis ces choses-là, c'est facile d'aller installer puis de vivre. Puis là, je suis en campagne, là. Je regarde mon jardin pousser. Il y a peut-être des choux, des choses comme ça, des carottes. Toutes sortes de styles de feuillage. OK? Ça salade en train de monter à graines, là. Fais attention, mon fermier. OK. Peut-être un petit peu plus orangé ces feuilles-là là-bas parce que c'est ici. Tiens. Bon.
Ça a l'air des épinards. Spinach. Pardon? A little bit bigger, and if I put bigger, I want to make grow. Should go with this guy. Each plant will have a shadow. Okay, short enough. We will cacher l'autre plant. Juste comme des plantes de tomates, des feuillages. Bon, reste-toi rang. Juste en variant la couleur de la même touche. OK? Ça a l'air d'un autre fruit et légumes. On ressent le jardin. There we go. Fait qu'en arrière des légumes que j'ai mis là, puis tout ça, ben, je suis allé aller chercher un petit peu d'ombrage pour chacun. Ça a l'air d'un jardin. Et voilà.
Donc avec tout ça, on a donné beaucoup de profondeur à notre image. On est allé chercher du feuillage. Le fait de commencer ma peinture en noir, en dessous, en arrière, ben, ça me permet d'aller. Ça me donne déjà des ombrages qu'il y a dans le fond de la nature. Je retourne ici, j'ai un autre arbre à aller chercher avec des orangers. Tiens, oh, ben, j'ai fait un beau mess. Bon, la petite maison. Change de pinceau. Trop mince. Oh, ça sera parfait, ça. Alors, mon blanc, avec un peu de Paints Gray, un petit peu de bleu. Parce que bosser la maison, il va y avoir plus de lumière, mais en avant ici, pas assez de Paints Gray, je vais l'avoir plus gris, plus foncé, parce que c'est dans l'ombrage. J'ai quasiment envie de la salir un petit peu. Tiens. Qu'est-ce qui se passe en avant de ça? Ben, pas en blanc. En gris noir. Feuillage, feuillage, feuillage. C'est dans l'ombrage. Un peu de médium.
je m'amuse, je suis rendu dans d'autres. Vous voyez, quand je parle plus comme ça, là, je suis rendu dans mon petit monde, puis je me promène, puis etc. Fait que là, je dis, ben, si je resterais là, j'aurais mis des petites plantes, j'aurais mis une petite clôture, le sentier qui vient en avant, qui descend. La raison pourquoi que le jardin est plus bas que ma maison, ben, il y a plus d'eau, ça fait que ça se nourrit toute seule. Tu sais, puis comme je dis, là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas rien, je fais juste aller, puis je suis en train de créer un environnement, un espace paisible, un espace de campagne. C'est là que j'ai dit qu'on s'évadait aujourd'hui. Alors, je m'évade là-dedans. Puis aussi, je parle plus trop parce que là, ma voix s'en va. Hein? J'ai pogné une grippe d'été, comme on dit. J'aimerais, j'aime le bleu là-bas, puis j'aimerais revenir avec un peu de bleu sur ma toiture, mais gris, puis du bleu. J'aimerais la faire paraître plus sale possible. On va rajouter un petit peu de noir. Ben, sale bleu. C'est assez gris. C'est assez bleu. Même plus blanc. Peut-être que je voulais aller trop bleu. Tiens. Là, je viens de m'apercevoir qu'il me manque une partie d'arbre en arrière là-bas. Ce que je vais poser ça, on va le mettre là. Je vais aller chercher mes arbres ici avant de trop continuer. Quasiment noir. Tiens. Oh, ça c'est ma grange, c'est bon. Les intensités lumineuses. OK, je retourne avec mon petit pinceau que j'avais ici. Puis je vais aller détailler mon toit. Medium. Hein, la belle petite cabane de campagnarde. Hein? On va aller chercher un peu de noir là-dedans. Tiens. Puis mon autre grange là-bas, quelle couleur? Orangé? Pourquoi pas? On a du orange au bord-là. Pourquoi qu'on fait pas vivre un peu plus d'orange de ce bord-là? Thank you.
Il n'y a rien de précis, précis. J'ai juste donné une illusion. J'avais une spatule tantôt, mais oui, cachée ici. Là. Bon. La vieille tôle. OK. Je vais ramasser de l'autre bord. Malheureux à dire, mais elle commence à s'effondrer, ma vieille grange. Ah, ben. Bon, hey, puis ça serait beau sur ma cabane aussi, ça. Tiens. Bon. Je suis parti d'aller. Bon. Toutes les restants. Alors quand même, on demeure que c'est une impression, hein, une peinture impressionniste de ce qui se passe dans l'action quotidienne. Puis ça a été mon impression d'une journée en campagne à regarder mon jardin pousser et toutes sortes de petites choses. J'ai peut-être encore un peu de temps à passer là-dessus, à mettre des fenêtres, des lumières, puis des petits cadres de fenêtres, etc. Mais le tour est pas mal joué là, sur les petits détails, ces choses-là. Ça fait que sur ce, je vais vous faire le bonjour et continuer à observer la nature alentour de vous. Et tiens, on va mettre notre porte orange. Alors, sans plus tarder, je vous laisse dans ma campagne. Cela a été notre tableau pour la journée. Bonne semaine. On se revoit la prochaine fois.